Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un combat de Coliseum et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un panda Uji Xelor et je vois à l'instant que c'est Aromagome et vite je vais mettre mes esquives PA. Hop, voilà, c'est fait. Et pour une fois j'ai réussi à mettre mes stuff à peu près correctement, c'est-à-dire que j'ai une initiative qui est correcte sur mon Xel et j'ai bien mis mes esquives PA. Alors je n'ai pas mis sur le Xel mais j'ai sur Uji et mis quelque chose qui est presque acceptable, on va dire. Bon, c'est pas fou. Et alors qu'est-ce qu'il va nous faire? On a Xel, Panda, Uji, ok. Team sympathique. Alors je vais devoir partir en focus Uji, je pense, à moins que... Oh, le Xel est fragile. Le Xel est fragile, il n'a pas d'ivoire. Je crois en plus que ce combat, c'est la belle que je fais contre lui. J'en avais gagné un, il en avait gagné un sur la version 2.46. Et c'est la troisième fois que je l'affronte sur cette version du jeu, donc ça va être sympa. Ok, alors, hop, on va partir là-dessus. Le contre ici, le flou que je vais pouvoir placer également. Comme ça, hop. Et moi, malheureusement, j'ai pas énormément de choses à faire là. Je peux faire un vol du temps sur Logis. Ok, on va se faire double fuite, un vol du temps sur la synchro et revenir 2 cases en arrière. Ok, voilà, c'est pas incroyable. Je fais ce que je peux et là, le mur me bloquait un petit peu. Mon placement n'était peut-être pas très judicieux. Bon, en tout cas, c'est fait. Panda, oh, Logique qui a 36 esquives PA. Bah, là, je comprends pas. Il m'affronte souvent à Romagom, hein. C'est un très bon Xelor, haut placé dans le ladder, tout ça, tout ça. Mais il sait à peu près comment je joue. Il sait très bien que mon Xel il est retrait. Je suis surpris que son Logique ait que 36 esquives. Normalement, l'erreur de pas mettre d'esquives PA, c'est moi qui l'a fait, hein. C'est pas mes adversaires. Ce serait trop beau si c'était toujours comme ça. Bon, on va voir ce qu'il peut faire, mais là, du coup, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Et ne serait-ce que pour ça, ça peut compromettre tout le combat. Bon, bah, on va voir, hein. On va voir ça avec Lugia. Ah, je suis un peu embêté là. Ah non, c'est bon, Lenny pourra y aller comme ça. Je vais donc me placer ici. Je vais même mettre le roquet un peu en avant. Hein. Hop, tant pis, je l'expose. Et comme ça, il pourra aller mettre un coup sur la synchro. Et Romagom, lui, il joue pas mal à la synchro comme Xelor, hein, donc ce sera pas mal. Voilà, là, je suis plutôt bien. Synchro, voilà, qui passe moins de mid life. Bon, elle va sûrement se faire soigner juste après, mais en tout cas, le roquet est placé. Bon, on va voir ce qui se passe au tour d'après. Si son roquet pourra venir taper le mien, ça m'embêtera pas mal. Ça va lui mettre des gros dégâts, hein, comme les dégâts sont triplés sur les invocations pour aller roquet. On verra. On verra ça. Alors, moi, mon ennemi là, il a pile poil la petite ligne de vue en diagonale sur le Jinak là pour aller le stimuler. Ça, c'est pas mal. Panda qui pend dans le cul le Xel. Alors là, c'est pas mal du tout. Bah, Panda qui va bien avec un Xelor et qui est très utile contre un Xelor. Hein. Là, voilà, ça stabilise, me met un petit peu au fond. Bon, c'est pas grave, hein, je pouvais m'y attendre. On va faire avec. On va mettre petite maîtrise d'armes ici. Est-ce que j'ai quelque chose d'utile à faire? Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça? Non, pas vraiment. On va donc partir juste sur un mot de régène ici. Et j'ai rien de plus à faire avec mon ennemi, donc je vais passer mon tour. L'ennemi, je l'approche pas mal, hein, parce qu'il peut se faire vraiment embêter au niveau du placement et se faire écarter par le Xelor adverse. Et en plus, Romagom, il est vraiment très à l'aise avec ce genre de move pour mettre mon ennemi au bout du monde. Voilà, bah, quand j'en parle, il le fait. Et là, par contre, j'ai été un peu con de le... Ouais, j'aurais peut-être pas dû le ramener autant, sachant que c'est celui qui avait joué juste avant mon Xel. On va voir ça. Bon, cela dit, il y a mon Xelor là qui va pouvoir jouer, qui va quand même avoir 9 PM. Ça, c'est pas trop mal. Et ça va permettre certainement de rétablir un placement dans une certaine mesure. Hein. Alors, est-ce que je ramène Lenny en retrait ou est-ce que j'amène plutôt mon Jinak dans la mêlée? Ça va un peu être la question. Je pense que je vais tout simplement, en fait, ouais, je vais faire ça. Je place une synchro ici. Je vais placer un cadran de Xel comme ça. Et oh putain, mais quel singe je suis. Quel singe je suis. Il m'a mis en... Il m'a empêché de faire ça. Je suis stabi. Énorme erreur. Je le vois, je le dis, et je me fais avoir comme un imbécile. Et en plus, je place mon ennemi pour qu'il se fasse tacler. Ah non, ça va, le roquet va jouer entre-temps. Ouh là là, le placement, là, le placement de ma part sur ce début de combat est vraiment très mauvais. Hein. Très mauvais, l'ennemi va prendre cher. Là, on a 13 PA sur le Jinak. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais voir si je peux quand même rétablir ça par la suite, mais c'est compliqué. Alors, ok, Uji qui a l'air d'être haut, qui met des sacrés dégâts, mais qui ne m'érode pas. Alors ça me surprend, parce que je suis quand même solide. Là, en plus, j'ai les ivoires. Hein. La dernière fois que je l'avais affronté, j'avais pas les ivoires. Ça me surprend. Ça me surprend. Il part plutôt sur du dopu, j'ai l'impression. Ok, donc là, son roquet qui vient taper le mien. Ouais, ça me surprend un petit peu tout ça.
ce que je vais faire, moi je pense que je vais y aller sur le Xel1. Ouais, allez, je suis parti. Je suis parti sur le Xelor, je peux pas faire grand chose de plus. Je vais venir en mettre comme ça et placer l'héros. Est-ce que je transcende mon Uji? Je pense que ça peut être intéressant. Ah, cela dit. Allez, ouais, je vais le transformer. Je vais essayer de ne pas le laisser m'isoler en fait, hein. Bon, je suis resté là, c'était pas forcément incroyable, mais c'est pas grave. Lenny va jouer ensuite, Lenny qui a pris déjà pas mal cher, mais je suis pas érodé encore une fois, et ça me surprend vraiment énormément. Parce que franchement, sans zéro, bon alors sauf s'il mise tout sur des gros dégâts du panda avec peut-être une vulnée ou ce genre de choses, je pense que je vais m'en tirer quoi. On a un arc corrompu, ok, donc ça veut dire pas beaucoup de capacité de soin en face. Cercle brûlant, ok, ça tape quand même très fort, hein. Je prends beaucoup de dégâts, ça c'est indéniable. Mais je suis toujours là quoi pour l'instant. Flasque explosif, il met des très beaux dégâts, hein. Ça il faut le dire. Bon, cela dit, moi, ça va à peu près, hein. Je peux venir mettre. Le Xel, il a encore beaucoup de PA, beaucoup de PM. Je peux venir mettre un mot marquant. Hop, voilà, comme ça je pourrais prendre le soin. Est-ce que je pars sur du sélectif? Je vais faire ça, je vais me mettre ici. Je vais me mettre au centre de la zone du sélectif pour vraiment maximiser les choses. Venir prendre l'émeraude plus le soin du glyphe. Alors j'espère juste qu'il n'y a pas un nébuleux sur l'Ogis, hein. Ça j'ai pas regardé, non il n'y a pas de nébuleux a priori. Donc, parce que j'ai hésité à mettre le mot de prévention, mais j'ai estimé que j'allais tenir le tour. On va voir si c'était un petit peu trop confiant ou pas. Je suis vraiment déçu là de ma part, hein, sur l'énorme fail avec la stabilisation sur le Xel. Ça casse un peu tout le délire, mais bon, bah tant pis, hein, faut faire avec ses erreurs, mais là j'ai un peu honte quand même. Alors on va voir, lui il part sur du retrait, du retrait, du retrait. Heureusement là j'ai les esquives donc ça, je m'en sors relativement. Voilà, les logiques a encore combien là? 8 PA, ça va, on a vu pire. On a vu pire. Moi je vais partir avec une Libé ici. Et venir chercher le retrait en zone. Hop. C'est pas trop mal comme ça. Et peut-être sur Logis à nouveau. Logis hein, qui est celui qui conne le plus et qui a que 36 esquives. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que je vais rester dans la zone de son cadran? Je peux me rapprocher, je pense. Hop, ok. Donc pour le Xel, ça va. Au niveau là, les invoques font leur petite vie. Jusque-là, je suis pas trop à plaindre, hein. Le Logis 6 PA, donc a priori, toujours pas d'érosion à ce tour. Il pourrait peut-être me mettre un coup, mais ce serait un peu surprenant. Parce que pourquoi le faire au tour 3 quand il pouvait le faire au tour 2? Je pense qu'il va plutôt partir sur une stratégie full dégâts sans éroder. Cela dit, ça peut passer, hein. Il a quand même la team avec une team avec du gros burst, hein. Il a Lenny qui peut placer une synchro, le panda qui a une capacité offensive qui est vraiment énorme. Dépeçage, alors là il met un malus de soin avec ça, sauf que je suis un ennemi et je peux me le debuff, hein, sans problème. Donc ça me surprend également. Ok, carcasse. Donc là, il a choisi de taper R, hein. C'était vraiment pour placer le dépeçage, mais du coup il a presque pas mis de dégâts du tour. D'accord, c'est un pourquoi pas faire ce choix. Le Xel du coup qui est érodé. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais me booster comme ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas de soin. Je pensais qu'il y aurait peut-être un étype sur le panda. J'ai vu qu'il n'y en avait pas. On va faire ça comme ça. Et je vais venir me mettre ici pour bloquer le panda. Alors il va bien sûr pouvoir me replacer facilement avec en me portant, hein, mais ça va lui prendre un tout petit peu de PA. Et ça, bah, je crache pas dessus. Hein. Ah, Guilde qui me fait un petit compliment. Merci, j'en tourne une. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il se fait? Il se stabilise, d'accord. Donc, ça lui permet de perdre qu'un seul PA au lieu de deux s'il m'avait porté jeté. Donc, a priori, pour vraiment partir à fond sur les nids. Bombance, d'accord. Coup de corrompu à nouveau. Il fait quand même plutôt mal. Hein. Ok, donc là, c'était la stabilité visée surtout à porter le. Visait surtout à porter le Xelor, sans surprise. Qu'est-ce que je vais me faire? Le Xel n'est toujours pas stimulé. Lugi là, il est plutôt. Il me tacle et je ne peux pas le repousser. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait pas que je me débuffe? Concrètement, pas vraiment. Hein. Donc je peux me faire un mot de jouvence. Ah, il n'y a pas un boost. Non. Donc si je fais ça. Normalement, après, je garde de quoi me faire un mot de préve. Et peut-être. Alors, est-ce que je prends le double. Non, je vais partir. Je vais partir à fond.
J'aurais pu prendre le Doom Emerald, mais voilà, j'ai déjà le mode préf, j'ai pas mal de boucliers, je préfère me mettre à distance. En plus, ça force le Xelor à sortir de l'état porté pour me faire quelque chose. Et ça, c'est plutôt appréciable. Hein. On va voir. À moins qu'il fasse un. Ouais, voilà, c'est ça. Il descend, donc moi je vais pouvoir le taper derrière. Enfin, le taper, a priori, j'ai pas beaucoup le taper hein, avec mon Xel, mais en tout cas, le J pourra enchaîner et il est assez vulnérable hein, comme ça. Ok, il ramène mon J par là, bah limite, il me remet mes persos près de mon cadran de Xel pour le boost, et ça m'arrange. Continue les dégâts sur sur l'ennemi. Ok. Ok. Un flou qui est placé là-haut. Mon Xelor là qui est un petit peu bloqué. Est-ce qu'un rollback ce serait pas une bonne chose? Ah, c'est intéressant le rollback. Hop. C'est intéressant parce que moi ça me permet après de venir peut-être placer un peu plus de retrait. Je vais venir là. Et je vais y aller comme ça. Hop, voilà, on va passer le double retrait en zone. Mon Xel est pas trop mal ici, je vais le laisser là. Voilà, bon, le retrait était pas incroyable, hein, mais Luigi, là, il est un peu bloqué. Il est un peu bloqué, il va avoir du mal à venir me chercher. Bon, à moins qu'il lâche un. Est-ce qu'il peut lâcher un flair là? Oui, je crois qu'il peut. Est-ce qu'il a un état de rage? Non, je vois pas d'état de rage. Donc il faut déjà qu'il se prenne au moins 6 PA pour venir me chercher, et à partir de là, il me fera pas grand-chose de plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Radius, ok. Double Radius, alors Radius hein, c'est une variante que j'utilise pas moi. Il repousse tout le monde. D'accord. Je vois pas vraiment ce qu'il essaie de mettre en place là, je suis un peu surpris. Vraiment le fait qu'il n'érode pas, ça me laisse perplexe quoi, je sais absolument pas quoi dire dessus. C'est très très surprenant. Enfin. Bah moi je vais continuer à taper le Xel, hein. Là je vais juste m'enlever 2 PA. Pour lui faire un calcaneus et le ramener à mon cac, voilà, nickel. Il a 40%, enfin 20% d'héros encore, hein, donc là je vais lui remettre à 40. Peut-être même aller au-delà de ça. Non, je vais le laisser à 40 pour l'instant. Je vais lui mettre également un malus de soins. Des fois qu'il y a du soin qui sort en face, mais je sais pas d'où ça pourrait sortir, hein, parce qu'a priori on a vu qu'il n'y avait pas de soins. Juste le panda qui, je crois, peut porter. Il a une variante de Karcham, Shamrak, je sais pas trop quoi, qui fait que ça fait du soin en zone quand il lance. Mais à part ça, je vois pas trop ce qui pourrait sauver le Xel. Hein. Là, il n'y a plus de Stabi Karcham qui est possible. Alors, mon Rocket, il le repousse. Est-ce qu'il va venir chercher la zone en mettant mon ennemi en croix avec mes deux invoques là? Ça pourrait être pas mal de sa part. Sachant qu'il y a les deux Rockets qui arrêtent pas de se taper depuis quelques tours, et à chaque fois, ils se mettent des gros dégâts, mais ils se soignent. Donc, les points de vie transitent de l'un à l'autre sans cesse. C'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'isolation complète. Ouais. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux aller chercher ici. J'ai pas énormément de choses à faire, moi. Je vais simplement venir chercher ça, je pense. Le kill du roquet. J'ai pas grand-chose de plus d'intéressant à faire. Kill du roquet. Moi, stimulant sur mon lapin. Audrey sur moi. Hop, voilà, j'estime que je suis pas trop en danger. Là, c'est le Xel qui joue ensuite, hein, c'est pas le J. Si ça avait été le J, ça aurait été plus problématique. Parce qu'il aurait pu me rush. Bon, là, concrètement, je crains pas énormément de choses. Et le fait d'avoir tué son Rocket, bah voilà, ça laisse le mien en vie. Et pour la suite, ce sera pas mal. Et d'autant plus que là, je vais pouvoir en placer deux d'un coup. Ça, ce qui est quand même pas mal, hein, d'avoir deux Rockets placés sur la map. Au niveau des invoques, on peut clean de manière assez conséquente. Hein. Xel qui vient donc là. Est-ce qu'il essaie de faire péter sa synchro? Je pense qu'il va peut-être essayer de la placer, hein, parce que là, je pense qu'il sait qu'il en a plus pour très longtemps, à moins qu'il me place beaucoup de retrait. Mais ok, il place le retrait sur le Xel. À la limite, le Xel il tape pas, donc bon, c'est pas transcendant, on va dire. Le Xel qui du coup se retrouve. Ah ouais, au niveau des PA, je suis quand même pas au top du top là. Hein. Niveau des PA, c'est pas la folie, clairement. Est-ce que je mets un. Mif, non, j'ai pas. Pff. Que faire d'ailleurs? J'ai rien d'incroyable. Avec 3 PA, franchement, on fait pas un tour de fou, mais ça m'enlève une épine du pied parce que souvent les tours du Xel, je galère à les finir. Voilà, comme ça, moi, c'est plié. Hein. Je vais me faire une fuite. Je vais rester ici. Hein. Le Xel complètement, il est bien. Hein. Je prends la petite émeraude. Bon, je suis embêté que le cadran soit à ce point éloigné de la fight alors que lui, il a le sien qui est en plein milieu, hein, ce qui est bien mieux au niveau du boost et du retrait en zone. Mais comme j'ai fait mon énorme fail au début avec
Avec la TP sur la synchro en étant stabil, bah, du coup j'ai pas pu faire mon petit combo avec le paradoxe et tout, j'ai pas récupéré le délai de relance, mais j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire plus tard, donc c'était pas foufou tout ça, mais bon c'est pas grave, hein, c'est en jouant qu'on progresse. Alors acharnement, il met en pesanteur, alors le pesanteur est plutôt bien joué, mais avec ses 52 tacles, moi il m'embête absolument pas. Et je peux aller chercher le Xel. Je pense que je vais le ramener, hein. Je vais le ramener. On va faire une convergence. Je vais placer mon roquet, mon deuxième. Du coup, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Et je reviens remettre le Xel full érosion. Voilà. Et là, je mise sur mes roquets pour venir terminer le cadran. Voilà, c'est parfait. Comme ça, il perd une capacité de retrait, il perd du boost en face. Et là, bah, mon ennemi, du coup, il a pas érodé, donc ça me surprend. Enfin, il est quand même ultra solide, mon ennemi. Hein. Vous voyez les raies, il est blindé. Je suis full soin. Bon, voilà, il y a les ivoires, il y a des grosses résistances. Et je sais pas pourquoi il a pas héros, c'est bizarre. C'est bizarre. Et alors, j'ai l'impression que c'est pas lui sur les trois persos. À mon avis, il doit jouer avec des potes, mais je pense qu'ils doivent quand même être en vocal ou je sais pas quoi. Il aurait pu leur donner des conseils. Enfin bref. Bon, je vais pas extrapoler à essayer d'imaginer tous les scénarios possibles. Hein. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ça me, je m'attendais pas à ça. Voilà. Alors là, bah, du coup, Stabicarcham, hein, bien sûr, sur le Xel. Est-ce que je commencerai pas à entamer le Panda par hasard, moi? Panda qui est quand même relativement fragile, hein. Le J est plus solide. Je pense que je vais faire ça, hein, taper le Panda, ça peut être un bon plan. Moi, je peux aller restimuler mon J. Du coup, alors là, le Panda, il est sous ivoire. Bah, je vais taper comme ça. Hop. Mettre un petit coup d'arc et venir quand même remettre mon ennemi à distance, parce que bon, voilà, c'est lui qui a pris le focus, mais là, je suis repassé full vitalité, quoi, donc concrètement. Concrètement, c'est comme s'il avait rien tapé, quoi. À l'heure où je vous parle, là, il y a une énorme araignée qui est en train de marcher sur mon mur. Elle doit faire 4 cm. Bon. Très bien. Pas de soucis. Ouais, la petite gélure qu'il a faite où? Sur mon... C'est bien, les affichages sur Dofus, ça marche super bien. C'est nickel, il n'y a aucun souci. Bon, bah, du coup, je ne sais pas où il a fait sa gélure, j'ai pas vu. Il place du retrait sur mon Xel, alors le Xel prend vraiment une tonne de retrait. Il fait péter sa synchro, bon, voilà, ça fait un peu de dégâts sur mon J, mais sans plus, ça pète un roquet, j'en ai encore un, bon, je m'en remettrai. Hein. Est-ce que je vais chercher les dégâts sur le Xel? Oh, c'est pas forcément incroyable. Je vais faire ça, je vais faire replacer. Alors là, je vais faire un tour assez plat, mais je vais juste replacer un petit peu mon jeu. Ici déco, oh c'est dommage qu'il soit déco. C'est dommage, voilà, j'ai légèrement replacé tout ça histoire que je reprenne le boost sur tous mes persos. Bon, lui il prend un peu de retrait. J'avais pas tellement la possibilité de faire plus avec mon Xelor là, vu le nombre de PA. Et voilà, il fallait forcément que je mette la momie, fait le cadran, donc ça me laissait pas des masses de choses. Et j'ai remis le J dans la zone pour qu'il puisse prendre le retrait. Alors là, du coup, le mien n'est plus en état pesanteur et avec ce qu'il a pris. Donc le sort qu'il m'a fait, hein, c'est acharnement, c'est la variante de flair. Hein. C'est très utile, notamment au PVM, hein, quand vous voulez défoncer un boss. C'est sur la cible, ça met voilà, dommage subi x 120%, donc un petit peu comme une vulnée d'un panda. Et ça met en état pesanteur. Donc là, voilà, ça aurait pu vraiment m'embêter, mais concrètement, bah, ça va, j'en suis pas trop mal tiré. Ça a juste retardé les choses d'un tour, quoi, concrètement. Hop, et maintenant, je vais y aller sur le panda. Je vais y aller plutôt ici parce que si je vais à gauche, là j'ai peur de me prendre des zones trop sévères. Donc voilà, Nyata proie sur le panda. Et bah, je pense qu'à partir de là, je sais même pas s'il va continuer. Aromagome qui a des Coreco. Neuf PA, bon. C'est un peu. Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose? Il s'est recoupé pour voir qu'il était mort, il s'est redéco, c'est un peu triste. Je vais rebooster mon Xel, et on va venir chercher du soin comme ça. Je prends quand même des dégâts sur le J, mais bon, est-ce que c'est vraiment inquiétant? Allez, dans le doute, je vais quand même faire un mot marquant pour créer un glyphe et qu'il puisse aller se soigner. Et je vais lui mettre un mode régène qui est vraiment extrêmement puissant au niveau du soin que ça apporte. Par rapport au nombre de PA investis, c'est vraiment très puissant, je trouve. Où est-ce que je vais me mettre là? Mettre ici pour peut-être générer du téléfrag ou je ne sais quoi. Je vais essayer de faire un tour potable avec le Xel, là j'ai beaucoup de PA, je vais voir si je galère. Alors je peux faire ça. Placer du retrait un peu. Je peux faire ça. Hop, ok, c'est pas trop mal.
je suis presque bien parti pour faire un tour qui ressemble à quelque chose. Hop, maintenant j'ai ma zone pour le retrait. À nouveau ici, c'était pas si dégueulasse. Hein. Pour une fois, j'ai envie de dire. Alors, je peux me placer mon contre et je vais remettre du retrait sur le J. Et concrètement, voilà, il passe à 3 PA, peut-être encore moins avec le cadran. 2 PA. Voilà, érodeur à 2 PA et là, il passe son tour. Bon, bah, je vais pas vous infliger la fin du combat, là, ça sert plus à rien, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder ça. Bon, c'était quand même relativement sympa dans l'ensemble, mais je suis un peu surpris de la manière dont ça s'est passé, je m'attendais pas du tout à ça, enfin... je sais pas, j'ai pas trop compris ses choix, j'ai pas trop compris comment il a joué. Bon, moi, je vais pas me plaindre, du coup, c'était la belle, hein, j'avais une victoire, il avait une victoire. Et bien, du coup... C'est moi qui remporte la belle et ça me fait bien plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, si c'est le cas, vous pouvez partager, liker et vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.